Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sur le logiciel de compositing Nuke dans sa version 11 et regarder comment on peut réaliser donc un compositing 3D et 2D d'un décor complètement reconstitué donc dans l'espace 3D que l'on va partiellement donc faire le rendu des différentes parties de ce compositing 3D pour ensuite agencer les différentes parties rendues dans un compositing 2D pour venir récupérer des bords, donc par exemple d'une partie en alpha pour pouvoir mettre du edge blur ou du light warp, ce qui va permettre de finaliser le compositing 3D que l'on aura mis en place dans Nuke. On va plus particulièrement s'intéresser ici à une boîte de particules pour réaliser donc le brouillard que l'on va pouvoir justement incruster dans l'espace 3D et venir le finaliser donc ensuite éventuellement dans le compositing 2D. Donc pour ça, on va regarder comment on peut mettre en place donc à l'intérieur d'un compositing 3D une boîte de fluide prédéf de fluide de particules pardon prédéfinie. Ok, on va fermer là le rendu ici. On va revenir donc sur. Ok. Donc le principe de base d'un compositing 3D et 2D, c'est d'une part, on va le voir dans l'espace 3D, c'est d'une part donc réaliser la compo donc en 3D des différents éléments géométriques que l'on a importés ou éléments géométriques de base que l'on a mis en place directement dans Nuke comme des cartes, des cylindres et autres que l'on va donc mettre en place dans l'espace 3D. Ensuite, par rapport à cette distribution dans l'espace 3D, on va sélectionner donc les éléments, par exemple les éléments d'avant-plan, les éléments d'arrière-plan et puis le ciel sur un cart, par exemple en arrière-plan. Eh bien, on va sélectionner donc les différents éléments pour les rassembler donc dans des scènes sur lesquelles, par exemple, on voit ici donc on a un ensemble de trois éléments scène que l'on a vu donc comment on pouvait les initier dans les précédents tutoriels. Eh bien, ils vont rassembler différents éléments de géométrie 3D pour en faire le rendu avec ici le scanner render de base, mais on pourra très bien utiliser le V-Ray Render ou le nouveau Ray Render de Nuke, avec une caméra bien entendu qui sera ici ma caméra 2, qui sera une caméra donc semblable pour tous les rendus, de manière d'être synchro bien entendu dans la composition, ce qui permettra ensuite donc à la sortie de ces scanner render d'avoir une image 2D qui pourra être finalisée, compositée, notamment on voit qu'on on a mis en place des edge blur pour venir flouter les bords donc des immeubles par exemple d'avant-plan pour leur donner un côté plus réaliste et moins incrusté synthèse dans cette image. Donc ça c'est le principe de base qui nous permet donc de réaliser un compositing matte painting 3D 2D et là-dedans on va incruster donc le brouillard. Donc il faut trouver bien entendu la bonne scène dans laquelle on va pouvoir le mettre. Ici on va le mettre dans la scène principale qui regroupe les éléments d'arrière-plan et la boîte va se trouver donc de brouillard, se trouver donc sur l'avant, au milieu, avant donc les deux immeubles de gauche et de droite qui sont eux complètement en avant-plan et qu'on va retrouver donc les derniers à être composités dans la suite ici donc du compositing 2D. Donc si on regarde dans l'espace 3D maintenant avec le viewer 2, on voit qu'on a nos différents éléments donc avec les géométries et selon le dispositif et selon ce que l'on veut faire ensuite en compositing 2D, eh bien on va séparer comme on l'a fait dans différentes scènes les éléments pour venir les compositer. Donc ici la scène 1 principale va regrouper donc le plan des immeubles en arrière, le ciel et les premières cascades que l'on a mis en place, ainsi que la boîte de brouillard dont on voit donc ici une représentation simple. Et ensuite, on va avoir les éléments donc de premier plan d'immeuble qui vont venir donc se mettre devant ensuite dans le compositing. Ok. Donc, on va regarder la constitution donc de cette boîte dans la version 11 de Nuke. Donc, les éléments ont un peu changé ici. On a donc maintenant la Focbox, la PFocbox particule
Fogbox ici, qui est légèrement différente dans sa constitution et dans ses paramètres de base, je dirais, avec donc notamment un onglet émetteur, look et node, dans lequel on retrouve moins de paramètres que l'on avait dans les versions précédentes. On retrouve les principaux paramètres ici, donc particule size, la taille des particules, la durée de vie, le rate mount ici, qui permet donc un taux d'émission, et la valeur aléatoire qui permet donc de changer de système d'émission. Donc c'est effectivement les principaux paramètres ici que l'on met, qui sont mis en place par défaut. Et si on veut donc retravailler donc les certains paramètres, eh bien il faudra ouvrir donc la boîte de Foxbox et travailler au niveau donc du système de particules. Donc pour ouvrir une boîte, donc contrôle Enter ici, P Foxbox Node Graph, et on a donc la constitution de notre groupe ici au Gizmo, avec donc les différents éléments. Alors on va ici essayer d'expliquer assez rapidement comment ça fonctionne, dans le sens où on a en fait ici un switch, qui est un node qui permet de basculer d'une entrée à une autre. Alors on peut l'utiliser pour dans différentes conditions. Ici, on l'utilise dans les conditions suivantes, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux possibilités préparées donc par cette boîte donc de Fogbox, ici de Nuke, deux possibilités d'émission donc de node particle émetteur ici. Donc on a le premier qui émet des particules avec donc un travail en remontant ici donc le setup sprite preset, qui travaille sur trois noise minimum ici, noise 1, 3 et 4, qui permettent de créer donc des surfaces bruitées qui vont être ensuite mélangées, décalées dans le temps avec time offset, et remélangées ensuite mis dans des matériaux blend mate, et connecté donc aux particules émetteurs ici, qui va donc être composé d'un ensemble donc d'arrivées de particules qui vont être émises au fur et à mesure. Donc toutes ces particules seront bien entendu différentes, puisque fonctionnant avec un décalage de time offset ici sur un noise, donc sur un mélange de noise. Ok, donc ça c'est la première solution, qui est la solution proposée par défaut. Donc le switch est à 0 ici. Donc je double-clique sur le switch. Et ici on l'a basculé sur 1, la valeur du switch, pour pouvoir donc venir avec le deuxième système de particules, qui par défaut donc n'a pas deux images mais en a une seule. Je supprime celle-ci. Ici donc travaille sur une image avec un output donc image. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire dans le groupe, le gizmo ici, on va avoir une sortie, enfin une entrée input image, sur laquelle on va pouvoir connecter directement une image. Donc je reviendrai sur les autres paramètres, je remonte donc sur mon arborescence, et on voit que ici, par défaut, on a effectivement, quand on le crée, le Foxbox, sur lequel on a une entrée possible, c'est une image. Donc ici, ce que l'on fait, c'est qu'on va connecter donc une image préparée. Et cette image préparée, en fait, est un brouillard ici entouré de noir, que l'on va détourer. Donc on va utiliser ça comme matière et aussi comme alpha. Donc transform, shuffle, on récupère l'alpha. On fait un grade sur l'alpha de telle manière de pouvoir donc avoir donc quelque chose de semi-transparent. Ici au niveau du gain, on est assez faible à 0,06. Ok, donc on voit que l'alpha ici est relativement faible, et on pourra encore le baisser si nécessaire pour rendre un peu plus transparent ou un peu moins transparent. Et puis on va faire un pre-multiply classique ici pour obtenir donc, on sort de l'alpha, le résultat, c'est la matière ici qui reste et que l'on va donc utiliser comme image et qu'on va dupliquer un certain nombre de fois dans l'émission donc du particle émetteur.
pour obtenir donc des images de cette forme qui vont se mélanger et créer donc un brouillard volumétrique. Donc ensuite on a deux solutions, soit on peut aller retravailler dans la Foxbox.graph la taille donc de la box, donc AddGeo ici, on a la possibilité avec TransformGeo donc de retravailler ici la taille de la box de départ qui n'est pas forcément donc à la bonne taille. Dans le Viewer 2 ici on voit donc j'ai modifié la taille ici, la structure de la taille, c'est un carré au départ qui est relativement petit par rapport à ma scène que j'ai agrandi ici. On a cette possibilité là de venir travailler ici à ce niveau-là ou la possibilité donc de mettre un transform géo ici à la sortie du Foxbox et de venir étirer donc sa box. On corrigera avec le transform au niveau du plane ici pour ajuster la forme, l'étirer peut-être éventuellement pour obtenir la forme en fait du brouillard que l'on veut au final. Ok, et l'ensemble en fait est connecté donc à la scène 2, ce qui lui permet d'être incrusté donc dans l'espace 3D et d'être positionné dans l'espace 3D, de jouer vraiment donc sur une boîte volumétrique dans le compositing 3D. Alors, une dernière chose qui n'est pas donc dans les paramètres de base de la Fox ici, j'ai rajouté, c'est le start en fait, à quel moment on commence à émettre des particules ici, donc on pourrait mettre la frame 1 par exemple, la frame 100. En fait, c'est un paramètre qu'il faut venir extraire, comme les autres ont été extraits, qui n'est pas donc ici en avant-plan dans les paramètres du groupe, hein, mais que l'on retrouve donc à l'intérieur, si on ne veut pas le faire ressortir, on peut le retrouver à l'intérieur donc dans le node graph ici de la boîte de brouillard. On va le retrouver donc sur l'émetteur de particules que l'on choisit. On pourra corriger les deux ici. Et par exemple, donc celui que j'ai utilisé, le particle émetteur 2 que j'ai utilisé, ici start at, j'ai mis moins 100. Alors pourquoi j'ai mis une valeur de moins 100? De telle manière qu'il y ait génération de brouillard avant d'arriver donc sur la frame sur laquelle je veux filmer. Donc je commence à 1 et j'ai envie qu'il y ait quand même du brouillard avant quand j'arrive à filmer au niveau de la frame 1. Et donc je prends 100 frames pour générer du brouillard avant encore une fois de filmer. Autrement, si je laisse ici la valeur par défaut start at qui est à 0, eh bien en démarrant à 1, j'aurai peu de brouillard et puis le brouillard augmentera. Donc si je veux un état de brouillard quasi permanent avec des variations, eh bien il faut que je génère du brouillard avec une valeur donc ici négative. Donc ça c'est un petit truc auquel il faut bien penser. Et cette valeur-là start, effectivement, on peut l'extraire ou venir la transformer ici ou l'extraire pour la mettre en tête du groupe. Donc voilà pour faire un petit tour d'horizon sur l'incrustation donc d'une boîte prédéfinie, hein, bien entendu. On verra dans les prochains tutoriels comment on peut créer notre propre boîte, bien entendu, et faire notre propre brouillard, pluie ou neige et autres possibilités avec des instances particulières donc dans Nuke.